l'année où justement eurent lieu pour la dernière fois les Jeux Olympiques à Paris. Nous allons écouter un air extrait de son dernier opéra, Turandot, popularisé par l'immense Luciano Pavarotti, que nous avons entendu déjà tout à l'heure. Dans sa jeunesse, Benedetti était pourtant plus enclin au ballon en val que vocalise, mais dans son lycée, pas le choix. Pour pouvoir jouer au rugby, il fallait s'inscrire à la chorale, et le rugbyman est finalement devenu un grand ténor. Voici maintenant Nessun Dorma. Quelle splendide façon de clôturer ce concert de Paris. Merci à Benedetti, merci au cœur de Radio France et à l'Orchestre National de France, toujours parfait. Je sens qu'il y a une ferveur particulière qui s'empare du public réuni ici sur le parvis de l'hôtel de ville de notre capitale. Alors, juste Mohamed, la flamme olympique serait-elle sur le point d'arriver devant l'hôtel de ville? Oui, oui Stéphane, plus que quelques secondes, regardez, c'est Nicolas Batum qui est juste là, oui, ah, regardez, c'est, quand on vous dit que c'est la sécurité et que ça compte aujourd'hui, voilà, même nous, on n'est pas très loin de Nicolas Batum, l'ailier de l'équipe de France de basket, médaillé d'argent au JO de Tokyo, dans quelques secondes, Nicolas Batum va faire le kiss, le relais avec le dernier relayeur de la flamme olympique à Paris, c'est un événement magique, il est là, le médaillé d'argent de l'équipe de France, regardez, on va lui faire un petit coucou, voilà, il nous voit ce beau coucou en direct sur France 2, dans quelques secondes, Nicolas Batum va donner la flamme olympique au dernier relayeur, une des personnalités préférées des Français, et on pourra enfin vous rejoindre Stéphane, vous me manquez, vous êtes à quelques dizaines de mètres de moi, je vous vois juste. Et Yannick Noah sous les applaudissements du public. Voilà. Et Yannick Noah va s'élancer maintenant sur l'avenue Victoria en direction de l'hôtel de ville de Paris. Des milliers de spectateurs ici du concert de Paris sur le parvis de l'hôtel de ville. Il y a une ambiance incroyable, indescriptible. Et bien voilà, il n'est plus qu'à quelques mètres de nous. Ouais Yannick! Ouais! 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 Ah, c'est chaud! Oh, hey, c'est de la folie! Allez, on baisse les téléphones. On baisse les téléphones. Merci. Moi, je te donnerai après un micro, mais... Est-ce qu'il y a un décompte? Comment on fait, Denis? On fait un décompte? Allez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Yannick fait bien le jeu, là on est bien, là on est bien. Alors Yannick, qu'est-ce que on ressent quand on porte les dernières et les meilleures de Paris et on illumine le jeu de l'Olympique? C'est beaucoup de gens, les spectateurs, voilà, faire partie de plein des...
Qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Ce soir, je suis très ému, merci beaucoup. Merci à Anne de m'avoir invité. Et j'ai juste un mot à dire, s'il vous plaît. Une fois cette cérémonie terminée, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre un déchet et le jeter à la poubelle, s'il vous plaît. C'est hyper important. Et vive Paris, la plus belle capitale du monde. Je veux dire, Ludovic, vous êtes un star des réseaux sociaux. Hein. Vous avez un compte sur Instagram, certaines. Alors j'ai Instagram, il y a TikTok, etc. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Merci. Alors, maintenant, elle va traverser, donc, on va lui faire un passage. Elle va entrer dans la cour. Et dans la cour, elle va être escortée par une magnifique musique. Yannick, violoncelle, c'est Bella Ciao, accompagnée au piano par Jérôme Ducrot. C'est à la fin, Madame Soleiman, et puis on continue en musique à essayer de vivre. Mais c'est un moment très important, parce que demain, vous savez que la flamme va continuer son parcours à Paris. Et donc elle est dans cet hôtel de ville, la maison des Parisiens, dans le hôtel de ville. Parce qu'il paraît c'est facile. Merci chers amis, rentrez bien, j'espère que vous avez passé une excellente soirée, rentrez bien, soyez prudents sur la route et merci de votre gentillesse, merci de votre bienveillance et merci de vos applaudissements. Au revoir, bonne soirée, et merci, ciao, bonjour, salut, rentrez bien, bonne nuit. Oh, c'est bon, alors qu'on est dans le temps, c'est bon.